Bon, peu importe. Donc ça, on s'en fiche. Ici, je m'en fous. Je suis plus sur les saisons. Sur les vidéos. Donc les vidéos, je les avais par saison. Je vais rajouter les vidéos par saison au label. Je vais rajouter les vidéos par série, saison et ordre et label. Donc saison code, série code. Serial m'agace. Je pense que ça doit être série en fait. Il faudrait que je trouve autre chose. Le côté angliciste me chagrine sur mon truc. Order in saison, ça c'est bon, le code est bon aussi. Comme ça, si je fais un filtre sur la série, je peux les récupérer là. Série saison, je les récupère ici dans les deux sens. Il me le faut aussi. Alors sur le label, alors par ordre dans la série, ça n'a aucun intérêt puisque ça n'existe pas. Par contre, enfin, ça n'a aucune raison d'exister. Vidéo par série label, ça m'intéresse plus. Et donc je peux virer celui-là. Si je fais un filtre que sur la série, si je garde le tri par titre, ça restera comme ça. Donc lui, je le copie et je le colle. C'est bon, le deuxième. Hop. Et hop, voilà. Donc ça c'est bon pour la base de données, elle est modifiée, j'enregistre les modifs et je peux sortir database is locked. Ah oui, forcément. Forcément, toi tu peux ressortir du projet pour me déverrouiller la base. Comme le data module de ma connexion, voulez-vous enregistrer les changements effectués dans l'onglet SQL dans un nouveau fichier projet? Non. Voilà. Je rouvre dans Delphi. Donc normalement la base de données de test, celle qui me sert dans le data module, est ouverte et fonctionnelle avec les nouveaux champs. Donc ça, j'enregistre ici. Ctrl C, je vais le rajouter dans le script de mise à jour de ma base. Ici, les scripts, ce sera donc la V2. String. Tac. Comme ça, ma base se maintient quel que soit le poste. Ok, j'ai déjà manqué. Donc maintenant, sur la saison. Pardon, sur l'épisode. Donc la vidéo, sur ma table, j'ai un nouveau champ. Qu'il faut quand même que je récupère pour pouvoir travailler avec. Donc à faire, je le retrie dans le même ordre dans lequel il est censé apparaître, ça ne change pas grand-chose, mais au moins on y est. Bien. Du coup, mon serial label et mon saison label, ils peuvent se recalculer automatiquement. Ce qui me vient le plus avec le SQLite quand je débug, c'est database is locked. Mais en fait, tu peux aussi le faire autrement. Là, dans le data module, ici, sur la connexion, par défaut, elle est ouverte en exclusive dans le driver, mais on n'est pas obligé. Éditeur de connexion. Ici, tu peux mettre normal pour l'ouverture, pour le locking mode. Et du coup, tu peux tout changer, quel que soit le truc. Alors, c'est un peu plus lent à l'exécution, mais. Si tu le laisses en normal ici, du coup tu peux y accéder en faisant ce que tu veux depuis n'importe quel autre programme. Et dans celui-ci, le DB Browser for SQLite ou un autre logiciel, en fait tu as la possibilité d'ouvrir en normal ou en locked.
Alors, c'était ici, ouvrir une base de données. Non, c'était en lecture seule ou en ouverture tout court. Lui, il doit pas l'ouvrir en exclusif, en fait. Donc, soit on l'ouvrait juste en lecture, soit on l'ouvrait comme ça, et normalement, si l'IDE ne la verrouille pas, on peut faire ce qu'on veut dessus. Et le problème, c'est qu'effectivement, de temps en temps, elle reste verrouillée, même si elle n'est pas censée l'être. Donc, on est emmerdé, et du coup, dans Delphi, en général, je les ouvre en normal, ce que j'ai pas dû faire ici, d'ailleurs, sur mon driver. Pour éviter les soucis. Là, je l'efface, je garde ça. On va rajouter le locking mode. Ouais, bonne remarque. J'ai aucune raison de le verrouiller. Enfin, normalement, il n'y a que ce programme-là qui est censé y accéder, mais j'ai déjà eu des cas. Alors, je sais pas si c'est encore, si ça se fait encore, mais j'ai déjà eu des cas de verrouillage qui restent. Et la seule solution, c'est de dupliquer la base après l'avoir ouverture. Enfin, on la rouvre en normal dans un programme qui la duplique et on remplace le fichier d'origine par celui-là. C'était un peu gonflant. J'ai testé un truc et pété un câble sur ce message. Ouais, non, c'est. Là, sur ce coup-là, il doit y avoir un verrou qui reste, qui traîne au niveau du journal de SQLite. Évidemment, on ne peut pas l'effacer. Sinon, on perd les modifs qui étaient en attente. Donc, un petit peu subtil, mais effectivement, j'oublie de le mettre dans le source. Il ne faut pas l'oublier. Si on veut être tranquille. Alors, évidemment, si on veut qu'un seul programme, il faut l'ouvrir en verrou, hein. Et puis après, à nous de faire le nécessaire pour les copier-coller qu'il faut au bon endroit. Donc c'est bien locking mode. Et là, tant qu'à faire, on va le faire en normal aussi, pour pas être embêté. Si je fais des changements sur ma structure. Hop. Donc n'oubliez pas, j'avais configuré pour que la connexion dans l'IDE ne soit prise en compte que dans l'IDE. Il est connecté que au design time. Hein. Le runtime, il est à false. Comme ça, c'est que le code qui le remplit. Il ne tient pas compte de ce que j'ai saisi ici. Donc il n'y a pas une tentative de connexion sur un fichier qui n'existe pas en prod. Alors, j'ai ma série et ma saison. Donc série, je peux. Alors si j'utilise livebinding, je suis obligé de mettre les deux champs. Donc là, je vais le séparer en deux lignes. Je vais recopier une deuxième ligne ici, CTRL-C. CTRL V, je vais le remonter entre les deux, changer la marge entre les deux. Marge, 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 puisque j'ai mis 5 et 10 pour les séparer selon les trucs. Donc là, on est en top 5, en bottom 5, comme ça il est plus proche du champ de saisie d'en dessous. Et on est sur le EDT saison. Je vais rajouter la belle quand même dessus. Parce que c'est pas l'édition de la saison, et là pareil pour la série, parce que Serial, Label. L'avantage c'est que c'est géré en automatique. Je vais faire pareil sur l'autre fiche, comme ça ce sera fait aussi. Je te remets Label derrière. Voilà. Donc j'ai les deux, il est en saisie, donc évidemment je le mets en lecture seule. Hop, donc j'ai la saison, la série. Et là le libellé, je vais mettre les deux. Et Serial and Saison. Voilà. Donc évidemment, si on choisit une série, une saison, on va choisir la série avec, hein. Ça sert à rien de faire les deux séparément puisque l'un va avec l'autre. Et donc on était sur vidéo number ici, dans le libellé. Dans sa saison qui est dans sa série. Du coup les deux champs combo ils vont pouvoir permettre de faire le filtre. Le Zerch ici fait le filtre uniquement dans ce qui est affiché. Les champs sont bons. J'ai plus qu'à remplir le onCalc avec les deux champs puisque maintenant j'ai les infos. Donc ici j'ai mon serial machin et je peux rajouter le saison label. D'ailleurs. Profitons un peu de la saisie rapide.
pour gagner un chouïa de temps. Hop, 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 hop. Je l'ai fait. Ah, il le repère pas sur le texte. Tiens, je me souvenais pas de ça. Hop, contrôle X. Autant le faire là. Hein. Contrôle H, céréales en saison. Donc lui minuscule minuscule, celui-là il avait la majuscule, autant le faire aussi. Select label, from saison, where code machin. Saison ici, CTRL D, F9. Donc la compilation passe, évidemment le programme, j'ai oublié d'activer l'option de menu, donc il va rien faire. On va l'activer. Vidéo, donc dans le main F9, Alt F11. J'ai besoin donc de la fiche ici dans l'implémentation. Et donc le menu. J'étais dans data. Et j'étais donc, je vais copier ce que j'ai dans tube et je vais le faire sur l'autre. Sur les vidéos. Donc vidéo, je colle ça. Évidemment, je suis plus sur tube crude, mais vidéo. Contrôle espace, contrôle C, V, F12, et je l'active. Vidéo, enabled. Ici, voilà. Donc mon option vidéo est bonne. Je peux lancer le programme. Et on a nos quatre écrans de saisie des quatre champs, des quatre bases, des quatre tables de la base. Vidéo, c'est bon. Alors après, il faut que je fasse bien entendu la partie live binding. Parce que là, je n'ai encore rien rattaché à la base de données, donc ça ne fait rien du tout. Logique. Donc lui, il fait rien. Lui, il attend que j'ai quelque chose ici. Si je tape quelque chose, il lance la requête auprès du système qui fait rien. Qui devrait rien faire. Si je rechange ça, c'est une URL, l'OS devrait me le repérer et donc m'ouvrir le navigateur. En prenant son temps, puisque sur la VM, Chrome est une calamité. Mais ça passe. Enfin, Chrome est une calamité de toute façon. À bien des égards, il faudra que je me réhabitue à utiliser autre chose dans ces quatre. Donc voilà, les tabulations, si je suis là-dessus, évidemment ça passe pas au bon endroit, donc il faut que je rechange ici. Sur celui-ci, saison. Ok, sur série. Et sur tube. D'accord. Donc, hop, ça je peux fermer, ça je peux fermer, je peux fermer. La base de données est modifiée, j'enregistre la modif au niveau du source. Et ici, le cru des épisodes, on peut cocher la case même si c'est pas terminé. Ajout machin, finalisation de l'écran de saisie des épisodes. Voilà. Et mise en place de l'option de menu pour y accéder. J'arrête de faire CTRL S dessus. Hop, donc ça c'est bon. Du coup, live binding, on a dit. On est ici. C'est enregistré. Alors, nous avons une table. Alors là, évidemment, peu d'espace ne fera pas de mal. La LizView attachée à la table. Oui. Le DBindNavigator attaché à la table. Oui.
Ensuite, la table, elle est attachée. CB machin, on s'en fout. Saison label, il est en bas, donc autant le faire ici. Ensuite, nous avons le céréal, label, EDT céréal label, il est en dessus. Côté là, ça dégage, ça dégage. Vidéo number, il est là. Alors, je l'ai mis à peu près dans l'ordre histoire de les retrouver parce que, évidemment, ça va être un peu le fouillis. EDT comment, où tu es? Record date, je l'avais au-dessus. Le order in session, il est. Serial code. Il n'y a pas. Et le comment? Non, il est là. Il est là, le petit. Hop, ok. Donc, le label, il va vers le label. Le serial code, saison code, ils sont pas gérés là. Le number, il va vers le number que j'ai paumé ici. Record date, c'est ça, et URL, c'est ça, commentaire, c'est ça. Voilà, normalement, mon écran est opérationnel. Les copier-coller des autres écrans ont dû faire ce qu'il fallait. Donc là, si je rajoute un truc dans mon épisode, je peux le valider. J'ai un peu oublié d'activer la table ou pas? Ah bah oui, j'ai oublié d'activer le lien entre la ListView et le. Oui, forcément. Et si j'affiche pas le contenu, on peut pas voir la liste. Alors la liste. Non, elle est là. Ah bah si, oui. J'ai oublié le lien entre les champs. Le texte, on a dit que c'était le label. J'ai pas reparamétré le type de listView, de listItem. Alors, sur celui-ci, donc on était sur un item apparence. On est sur le item détail bottom. Bottom détail, c'est celui-ci. Et donc, sur le truc ici, on désactive l'image dont j'ai pas besoin et je vais laisser le texte détail, c'est bon. Le accessoire, j'ai gardé sur les autres. Il sert à quoi? À rien, j'ai toi l'écran, j'ai pas d'ouverture, de fermeture du truc. On va lire aussi. Hein. Allez hop, ça. Ça, ça, et ça. Donc F12. Ici. Nanana, donc l'accessoire, il dégage aussi. Le reste est bon. Détail et texte. Là, détail texte. Pourquoi ils sont pas dans le même ordre? C'est étrange, mais pourquoi pas. Ici. Tac, on est sur ça. Et lui, pareil. J'arrête de me rapprocher de l'écran. Donc c'est censé être OK pour ça. Ça c'est bon, et ça c'est bon. Donc je disais dans le live banning, alors comment je l'ai géré sur l'autre? J'ai récupéré le libellé sur l'autre, j'ai dû mettre le libellé de la série sur la saison sur le détail. Je sais plus visuellement qu'est-ce que j'ai mis dans la ListView, ici détail, j'ai mis URL. Ah non, j'ai laissé l'URL, tiens. Pas d'intérêt particulier.
C'est vrai que sur la série, ouais, non, sur les saisons, il faut qu'on ait la série parce que si on a saison 1, saison 1, saison 1, on ne sait pas sur laquelle on clique. Donc là, le détail sur les saisons, je enlève celui-ci et je vais plutôt le rattacher à mon serial label. Tout ceci pouvant évidemment se faire par code si on a envie. Ici, donc, hop là, lié visuellement. Mon détail, j'ai envie de mettre les deux, en fait, les deux valeurs. Donc je vais rajouter un troisième champ calculé. Éditeur de champ, hop, ici. Pour cumuler les deux. Nouveau. Serial, saison, label. C'est pas ça qui coûte le plus en termes de fonctionnalité, de temps. De fonctionnement, on s'en fiche. Hop, pour ça, il n'y en aura pas 500 000 non plus dans mon cas. Alors toi, tu dégages. Ça y est, c'est... Oui, alors j'ai dit le Lisio, il est là. Et donc le détail de la Lisio, il est ici. Et donc mon champ calculé. Ça prend ça plus ça, point virgule. Série label, saison label, et donc on a dit serial saison label. Alors évidemment, ça n'affiche rien tant qu'on ne peut pas faire de sélection. Voilà, hop. Donc tube, j'ai des trucs, céréales, j'ai des trucs. Ici m'affiche bien l'URL. Saison, j'aurai donc rien en détail parce que pour l'instant il n'y a rien. Et vidéo non plus. À part le tiret. Il faudrait que je mette que s'il y a quelque chose derrière. Pour faire propre. Donc, le tiret ne doit apparaître que si j'ai les deux champs remplis. Donc, hop. Est-ce que je mets ça avec des if ou pas? If. Ça, point is empty, then donc si la série est vide, je mets que la saison. C'est un peu idiot comme façon de faire, mais ça me semble être le plus pratique. Si la saison est vide, je mets que la série. Et si les deux bah, sont remplis, bah, à ce moment-là, il met ça. Voilà, comme ça au moins. Au pire, il met vide parce que les deux sont vides. C'est pas un problème. Donc, ça devrait être OK. Nope, ça c'est bon. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints en route, parce qu'apparemment, il y a plus de monde là, d'après ce que je vois. Sur Twitch, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qu'on est en train de faire et autres. Le projet est en dispo sur GitHub. Si vous voulez le lien, vous avez juste à taper la commande point d'exclamation GitHub dans le chat. Ça vous redonnera les URL. Donc là, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ok, donc j'ai mes trucs ici. Si je rajoute un champ, donc ça c'est bon, tabulation. Ah oui, j'ai toujours pas rechangé la tabulation ici. Numéro, on va dire 3, 2. 3, il a dit le monsieur. Date, machin.
URL. Ok, et commentaire, blabla.